Alex, t'es là? Il est pas là, Alex? Ah, c'est toi qui as les questions? Il faut que je refasse chaque fois le code. Bonjour, je suis Jean-Pierre. Je joue dans le groupe Ocelli depuis environ 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus très bien. Raconte-nous un de tes meilleurs souvenirs avec Ocelli. Des souvenirs de voyage. Une tournée au Canada, c'est quand même c'est une super découverte. Et surtout la manière dont on l'a fait, c'est-à-dire parcourir le Canada de long en large. Donc ça, c'est un grand souvenir. As-tu envie de nous dire quelque chose à propos du prochain disque qui va sortir? Plein. Mais une chose principale, c'est qu'au début, on a un peu fait du brainstorming pour le thème. Et puis finalement, ce thème américain est sorti sans trop savoir au départ ce qu'on allait en faire. Et je trouve que le résultat, il est éblouissant, dans le sens où, bien sûr, l'histoire de la musique américaine est plus courte que l'histoire de la musique occidentale ou européenne dans son existence. Et quand même, on a pu balayer plusieurs époques, plusieurs styles, particulièrement jusqu'à la fin, c'est-à-dire aussi... les œuvres de Duke Ellington, mais aussi les découvertes de Florence Price et les créations de Harold Noben. Il y a tellement de choses, ça va être un feu d'artifice. Quel est ton morceau préféré sur le prochain disque de Ocelli? Oh là là! Oui, j'ai cité Florence Price parce que c'est une découverte et c'est peut-être pas le morceau le mieux écrit, mais dans notre mission de musicien, il y a aussi d'ouvrir les répertoires et ça, je trouvais que c'était très chouette. Tu peux imiter quelqu'un du groupe? Je pourrais essayer d'imiter quelqu'un du groupe, mais c'est pas facile quand même. Alex, il sait pas qui c'est. Bon, Catorate alors. C'est du wallon, ça veut dire à tout à l'heure. Ah oui.